Monsieur le Président de la République, cher Nicolas Sarkozy, Mesdames et Messieurs les sénateurs, les députés, Mesdames et Messieurs les conseillers régionaux, municipaux, également chers parrains du Maghen David Adom, Enrico Macias, Michel Bouchna, Ariel Wiesmann, Philippe Lelouch, Chirel, chers amis. Ce soir, c'est avec le cœur rempli d'espoir et de solidarité que nous vous accueillons pour cette soirée dédiée à Israël et aux secouristes héroïques du Maghen David Adom. Dans ces moments où l'unité devient notre force, nous sommes réunis pour témoigner de notre soutien indéfectible à cet État qu'on aime, mais aussi de notre gratitude envers ceux qui consacrent leur vie à sauver d'autres vies, et surtout pour célébrer la générosité sans borne du Maghen David Adom. La présence parmi nous du président de la République, Nicolas Sarkozy, ajoute une dimension toute particulière à cette soirée. Monsieur le Président, votre amitié envers l'État d'Israël est une source, sachez-le, de grand réconfort pour nous tous. Nous espérons que cette soirée vous offrira également une fenêtre sur les actions magnifiques du MDA, une organisation qui incarne l'altruisme et la détermination au service de l'humanité. Nous espérons que cette soirée sera une occasion pour vous de découvrir davantage les actions magnifiques du Maghen David Adom, une organisation dévouée au secours d'urgence qui incarne les valeurs de fraternité. Qu'est-ce que le Maghen David Adom ? 30 000 volontaires, des bénévoles sur le terrain, mobilisés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est la Banque Nationale du Sang en Israël. Chaque année, 350 000 unités sanguines collectées, traitées et distribuées à l'ensemble des hôpitaux de l'État d'Israël, aussi bien pour les besoins des civils que de l'armée. Et puis, c'est la générosité de cœur, puisque nos plus jeunes bénévoles sont dévoués aux colis alimentaires qui sont distribués par centaines de milliers aux plus pauvres des Israéliens. 25% des Israéliens vivent sous le seuil de pauvreté. Il faut le dire, depuis le début de la guerre, le 7 octobre, nos secouristes n'ont ménagé aucun effort pour sauver des vies et apporter soin et espoir à toutes celles et ceux qui ont fait appel à nous. Et nous allons dédier cette soirée à nos secouristes qui ont sauvé des vies au péril de leur propre vie. 11 de nos bénévoles ont été lâchement assassinés par les terroristes du Hamas. Alors, sans plus tarder, plongeons-nous dans cette soirée d'émotion, de soutien, d'inspiration également. Monsieur le Président, merci d'être parmi nous ce soir. Nous espérons que cette soirée renforcera encore davantage notre engagement commun en faveur d'une cause qui mérite notre attention et notre soutien qui est absolument inébranlable. Mes chers amis, préparons-nous à être témoins de la résilience, de la bravoure et de l'engagement des secouristes bénévoles du MDA à travers un petit film. Vous y découvrirez des histoires de courage qui illuminent même les jours les plus sombres. חודש ימים במלחמה. אנחנו ממשיכים להתעצם, ובכל נקודה שאנחנו צריכים להיות מגן דוד אדום נמצא. אני מבקש להביע הערכה מלאה לכל אחת ואחד מכם. אתם אלו שנותנים את המענה לכל פצוע ולכל אירוע. אנחנו ביחד נעשה את הכל כדי לנצח. A 22-year-old from Kibbutz Be'eri. She was a Magen David Adom paramedic. The terrorist burst into her clinic and put a bullet through her brain.
יש פה עובדים מתנדבים, תגבורים, מסורים, אנשים עם לב זהב, מלאכים בלבן, ממש ככה. מה לרביטל שלום? אנחנו כרגע מנהלים פה מלחמה. אנחנו נאבקים פה באמת על החיים שלנו ועל החיים של כל האנשים שגרים בעוטף. ניתן לראות את הנזק, את הרסיסים שפדו את האמבולנסים. היו פצועים קשים מאוד, פציעות מלחמה. אני שמח מאוד שכולם היום נמצאים לפני שיקום, כבר במהלך שיקום. באוויר אני מגלה שאני לוקח בחורה צעירה מהמסיבה, מטפל בשוטר שקיבל טיל RPG לרגע, ועוד שוטר עם ירי בבטן. יוצאת חוליה של מחבלים, רוכבים על אופנועים, עם בנדנות של ג'יהאד, ואני שומע את קולות יריה. ואחד מהם נכנס לי ברגל, ואז דני התחיל לטפל בי. ככה הוא הציל את חיים שלי. מתנדבות ומתנדבי מגן דוד אדום מד"א והנשיא המדינה יצחק הרצוג, אני רוצה לומר לכם תודה בשם כל עם ישראל. On peut leur faire un grand hommage, ils sont 30 000. Sachez que pour la plupart d'entre eux, ils ne sont pas retournés à la maison depuis le 7 octobre. Donc voilà, c'est une grande fierté de vous avoir si nombreux ce soir. Mesdames et messieurs, après ce témoignage visuel saisissant, je suis honoré d'annoncer la venue sur scène d'une figure emblématique du Magen David Adom en Europe, incarné par le président Michel Ktorza. Merci de l'accueillir chaleureusement. Monsieur le président de la République, cher Nicolas Sarkozy, messieurs et mesdames les députés, sénateurs, mes chers amis, c'est avec un cœur lourd mais résolu que je me tiens devant vous en cette soirée de solidarité et de célébration. Aujourd'hui, nous unissons nos cœurs pour soutenir Israël, une nation qui, une fois de plus, fait face aux ravages de la guerre. Cependant, notre solidarité va au-delà des frontières, transcendant les distances pour embrasser ceux qui souffrent, particulièrement les otages injustement retenus dans la bande de Gaza. Nous sommes le lundi 13 novembre 2023, une date qui résonne douloureusement dans nos mémoires, nous rappelle non seulement les tragédies qui ont frappé la France en 2015, mais aussi les nombreux innocents retenus dans des conditions inhumaines par les terroristes du Hamas. Des hommes, des femmes, des enfants, arrachés à leur quotidien, forcés de rejoindre l'enfer. Leurs noms, leurs visages sont gravés dans nos pensées. Et ce soir, nous leur dédions notre solidarité, notre soutien inébranlable. Israël, confronté à des délits complexes, mérite notre compassion et notre engagement indéfectible. La solidarité que nous exprimons ici dépasse les barrières politiques, religieuses ou ethniques. Elle repose sur notre humanité commune, sur la conviction que chaque vie compte, car chaque être humain mérite la dignité et la liberté. Les secouristes du Magen David Adom, qui travaillent sans relâche pour sauver des vies, incarnent cette solidarité en action. Ils risquent tout pour protéger et servir, apportant espoir et réconfort dans les moments les plus sombres. En soutenant Israël, nous soutenons également ces héros du quotidien, ces anges gardiens qui consacrent la vie humanitaire. Ce soir, en présence de notre invité d'honneur, M. Nicolas Sarkozy, nous célébrons le lien fort entre la France et Israël, entre les nations qui partagent une histoire complexe, mais également des valeurs communes de liberté, d'égalité et de fraternité.
Votre présence parmi nous, Monsieur le Président, renforce ces liens et symbolise l'importance de l'unité face aux défis du monde moderne. Je tiens à vous remercier d'avoir accepté notre invitation et de partager ce moment ensemble avec les amis de l'État d'Israël. Ensemble, nous exprimons notre soutien à Israël et aux otages retenus, des âmes innocentes contraintes de rejoindre un monde de souffrance indicible. Nous déclarons notre engagement et notre détermination à œuvrer pour qu'Israël puisse un jour vivre en paix. Ce soir, nous rendrons hommage au travail inlassable de nos secouristes, les 30 000 bénévoles du Magen David Adom. Permettez-moi de vous partager une vérité cruciale ce soir. Contrairement à de nombreuses organisations médicales dans le monde, le Magen David Adom n'est pas financé par l'État d'Israël. Nous dépendons de la générosité de personnes comme vous, de communautés engagées et de partenaires dévoués pour accomplir notre mission vitale. Cela signifie que dans chaque ambulance qui répond à un appel d'urgence, chaque technologie médicale de pointe et chaque vie sauvée grâce à nos efforts sont le résultat de votre soutien. Nous sommes une organisation indépendante qui puise sa force dans l'unité et la solidarité. Aujourd'hui, je me tiens devant vous pour solliciter votre aide. Votre générosité peut faire la différence entre la vie et la mort pour de nombreuses personnes. Chaque don, aussi modeste soit-il, contribue à renforcer notre capacité à répondre aux urgences, à former notre personnel médical et à investir dans des équipements médicaux modernes. En cette période où Israël est confronté à un défi sans précédent, le Magen David Adom se tient aux avant-postes de la réponse médicale. Ils sont là, ils sont prêts. Merci par avance pour votre générosité. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. À présent, accueillons sur scène trois personnalités politiques dont l'implication a été extrêmement importante depuis le 7 octobre au matin. D'abord, l'instigateur un peu de cette soirée, Monsieur David Xavier Weiss, premier adjoint au maire de Levallois. Soutien inébranlable de la cause d'Israël, du Magen David Adom. Monsieur Meir Habib, député des Français de l'étranger. Sur le plan médiatique, pour soutenir Israël, grand ami du Magen David Adom. Enfin, Aurélie Taquilin, conseillère régionale de Paris. Parce que nous sommes galants, messieurs, je vais vous laisser Aurélie s'exprimer en premier. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Ministre, cher Roger Carucci, Mesdames et Messieurs les élus, Messieurs les Présidents des consistoires, merci au Magen David Adom de nous réunir ce soir et je suis très honorée de pouvoir m'exprimer devant vous. J'ai déjà eu l'occasion de dire ma profonde émotion devant les horreurs indicibles qui ont été commises le 5 octobre dernier et de dire toute ma solidarité avec le peuple d'Israël. Et je pense comme vous tous les jours à ces 1400 morts, ces 240 otages, dont 8 Français sont détenus par le Hamas. Et parmi eux, je pense ce soir particulièrement aux enfants, aux femmes, aux personnes âgées qui ont été emmenées en captivité, on ne sait où, et dont nous n'avons pas de nouvelles. L'ennemi, le terrorisme islamiste, qui ne recule devant aucune barbarie, qui n'a pas de frontières, et contre lequel toutes les démocraties doivent s'unir et soutenir le combat d'Israël. Dans ces ténèbres, le Magen David Adom, qui fournit des services médicaux d'urgence à tous, sans distinction de race, de religion ou de nationalité, est un phare qui illumine de son humanité et de sa capacité de résilience. Et je veux rendre hommage à ces femmes, à ces hommes, ces soignants, ces médecins, ces infirmiers, ces personnes administratives qui interviennent partout et à tout instant. Ces 30 000 secouristes, leur courage, leur dévouement nous inspirent, tout comme Israël. Les attentats ne visent pas seulement à répandre le sang. En sémant la terreur, les terroristes espèrent diviser les sociétés démocratiques et en ébranler les fondements.
Et moi, je veux dire que j'ai été très émue de défiler hier dans les rues de Paris, de voir cette concorde, de voir notre pays, la France, les Français se soulever contre l'antisémitisme, et combattre cela qui est un poison pour notre nation française. Et ce soir, en soutenant le Magen David Adom, nous investissons concrètement dans une réponse rapide, efficace, aux conséquences dévastatrices de ces attaques. La générosité nous élève, elle nous honore, elle nous oblige, et dans les fonctions qui sont les miennes, qui m'ont été confiées par le suffrage universel, moi je suis présidente de la commission des finances de la région Île-de-France, et je suis maintenant élue depuis plus de 15 ans dans les Hauts-de-Seine, à Courbevoie. J'ai œuvré pour que la région Île-de-France s'engage à vos côtés et permettre de protéger Israël. Je voterai cette semaine dans l'hémicycle régional, aux côtés de la présidente de la région Île-de-France, 1 million d'euros d'aide supplémentaire aux Juifs d'Île-de-France pour les protéger dans leur sécurité. Mais également la subvention de 100 000 euros pour Magen David Adom pour l'achat en ambulance. Vous voyez, la région Île-de-France est à vos côtés. Permettez-moi, mesdames et messieurs, de vous exhorter à partager cet appel avec votre entourage, à devenir des porteurs de lumière dans des moments de ténèbres. Notre générosité prouve ce soir notre engagement d'unité, d'humanité face à l'adversité et à la barbarie. Merci. Merci beaucoup Aurélie pour ces mots forts, mais c'est une action forte aussi, c'est une action importante. Merci d'être avec nous sur scène. Et puisque la région va dégager une enveloppe pour le Magen David Adom, je voudrais aussi citer, les choses ne sont pas faites à 100%, mais on a ici la présence d'une conseillère de Paris, Aurélie Pirillo, qui elle-même s'est battue pour qu'on obtienne également de la part de la ville de Paris 100 000 euros pour une ambulance. Vous pouvez l'applaudir. Depuis toujours, un homme que on voit aujourd'hui beaucoup sur le front médiatique. Il est toujours aux avant-postes quand il s'agit de défendre l'État d'Israël et les causes justes. C'est Monsieur Meir Habib. Cher Meir. Monsieur le Président de la République, mon cher Nicolas, mesdames et messieurs les sénateurs, mesdames et messieurs les élus, mes chers amis, au moment où je vous parle, 240 otages sont détenus dans les geôles du Hamas, dont 8 Français. Au moment où je vous parle, un bébé de 1 an est détenu dans les geôles du Hamas. Un bébé de 10 mois est détenu dans les geôles du Hamas. Nous devons libérer nos otages. Ce soir, le Magen David Adom, avec Michel et Victor, je suis toutes les années avec elle. Mais ce soir, c'est une année particulière, parce que jamais le Magen David Adom n'a été autant devant de la scène. Je voulais vous dire qu'aujourd'hui, nous avons la présence de l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy. Je tenais, avant de dire quelques mots, à lui rendre un hommage particulier. Je peux témoigner devant vous aujourd'hui que sans son action, dont j'ai été témoin oculaire minute après minute à l'époque, je ne suis pas sûr que Gilad Shalit aurait été libéré. Je tenais à te remercier personnellement. Il a décidé immédiatement que Gilad Shalit, dont personne ne savait à l'époque ou se rappelait qu'il était français, était un citoyen français. Il a pris le taureau par les cornes et il a décidé de faire libérer Gilad Shalit. Et sans rentrer dans tous les détails, je peux vous dire que ça a une importance énorme, parce qu'il a bien fait savoir à ces barbares que toucher un cheveu de Gilad Shalit, c'était toucher à la France. Merci, Monsieur le Président. Nous n'oublions pas, c'est la vérité, et c'est ce qui s'est passé. C'est pour ça que je dis avec tout le respect que j'ai au Président de la République, Emmanuel Macron. Aujourd'hui, nous avons 8 otages français. Il faut libérer les otages hier avant demain. Et je le dis parce que je sais qu'il y a des efforts qui sont faits. Mais je dis aussi au Président, avec qui
J'ai la plus grande affection que j'ai accompagné en Israël pendant 3 jours. Non, Israël ne bombarde pas les enfants, ni les femmes, ni les civils. Israël est en guerre. Aucune guerre. Aucune guerre ne peut exister, hélas, sans victimes collatérales. Nous-mêmes, nous avons bien fait à l'époque d'aller bombarder le Daesh à Mossoul, à Raqqa, et il y a eu 12 000, 13 000 morts collatérales. C'est ça la guerre, c'est triste la guerre, et Israël est l'armée la plus morale du monde. Et le Magen David Adom aujourd'hui, que je vous demande d'aider, œuvre actuellement sous les bombes, sous les missiles, au péril de leur vie. Ils ont perdu des dizaines de volontaires, qui sont tous des volontaires, parce que l'État d'Israël et l'État juif sanctifient la vie par rapport à des barbares qui sanctifient la mort. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je sais que vous êtes là, je sais que vous êtes sollicités. Il est très important de vous lever et d'être avec le Magen David Adom. Et je vais vous dire, nous fêterons bientôt la libération des otages. Je remercie le président Sarkozy d'avoir, la semaine dernière, j'ai vu la maman de la petite Mia prendre son temps, l'avoir fait parler à son épouse, car elle a venu de se mobiliser. Je sais que la France se mobilise, je sais que le président se mobilise, mais aujourd'hui, le Hamas doit savoir. Il y a 240 otages qu'il faut libérer, dont 8 Français. Aujourd'hui, mes chers amis, nous sommes dans une... Il y a eu, évidemment, hier, une marche, c'est pas vraiment une manifestation importante. À Paris, il y a eu pas mal de monde, et c'est une très bonne chose. Mais c'est vrai que c'était une marche contre l'antisémitisme. À titre personnel, j'aurais voulu aussi que cette marche, ça l'a été pour beaucoup d'entre nous, soit une marche pour un soutien à Israël, pour la demande de libération des otages, pour que dire qu'Israël est la seule démocratie dans cette région, pour dire qu'Israël, si jamais demain il devait arriver quoi que ce soit à Israël, c'est chez nous aujourd'hui que ces barbares qui sont arrivés. Et je veux avoir, pour terminer, pour ne pas être long, parce que vous n'êtes pas là pour écouter des discours, mais plutôt pour aider. Nous sommes aujourd'hui le 13 novembre. J'étais tout à l'heure au Bataclan pour m'incliner sur la mémoire des victimes. Ce sont ces mêmes barbares qui ont tué le 13 novembre. Ce sont les mêmes barbares qui ont tué à Toulouse à l'époque mon cher Nîmes, président de la République. Ce sont ces mêmes barbares qui ont tué à Arras, qui n'est à ma connaissance pas une colonie, à Saint-Étienne du Vouvray ou à Nice. Ce sont eux ou nous, et c'est le monde libre qui doit les détruire pour l'avenir des Palestiniens eux-mêmes, pour l'avenir de l'État d'Israël. Alors ce soir, nous sommes avec nos amis du Magen David, avec Victor, avec Michel, pour les aider en presse avec la présence unique de l'ancien président de la République. Nous allons les aider. Vive l'État d'Israël, vive la France et vive nos valeurs, en particulier en ce jour qui est un jour de deuil aujourd'hui, pour faire du deuil, de commémoration pour le peuple français. Je vous remercie à tous. Merci beaucoup, meilleur ami. Et voilà, pour conclure sur ces propos d'homme politique et courageux, j'accueille un ami qui n'est pas venu seul d'ailleurs, parce que je vois le président de la communauté de Levallois-Perret, Philippe Cohen, que vous pouvez applaudir, le rabbin. Merci d'être là, Shalom. Et le premier adjoint au maire, David Xavier Weiss. Merci David d'être notre ami. Merci Michel, merci Victor, merci Monsieur le Président de la République de nous soutenir, de soutenir les amis du Magen David Adom. Parce que par votre présence, vous montrez encore une fois que vous êtes là pour soutenir Israël, pour soutenir la communauté juive. Et si vous me permettez de faire une petite allusion à ce que vous avez fait aussi par le passé, parce que ce n'est pas un soutien de circonstance. Il y a 13 ans, quand Israël avait besoin de rentrer dans le CDE, vous avez bataillé jour et nuit avec Roger Carucci, qui était à l'époque votre ambassadeur, alors qu'il y avait plein de pays, en Europe notamment, soutenus par le BDS, qui bloquaient l'entrée d'Israël dans le CDE. Ce n'est pas une alliance de circonstance. Nicolas Sarkozy a toujours été à nos côtés, aux côtés de la communauté juive. Vous avez été là le 9 octobre au soir, vous avez été là hier. Il y a eu des rendez-vous avec l'histoire auquel vous avez toujours été là. D'autres n'ont pas eu ce même geste. Mais par votre présence ce soir, vous soutenez bien sûr la communauté juive, vous soutenez surtout le Magen David Adom, qui a besoin du soutien de tous. Nous sommes ici à 4000 km d'Israël. On a tous, depuis le 7 octobre, le cœur meurtri, on ne sait pas quoi faire. Notre seul moyen d'agir, notre seul moyen de soutenir les 32 000 bénévoles qui œuvrent sur le terrain. Beaucoup d'ambulances ont été détruites par le Hamas. Beaucoup de bénévoles ont été malheureusement tués le jour même, le 7 octobre, par le Hamas.
Notre seul moyen d'agir, c'est de donner, quel que soit le niveau du don. Aujourd'hui, avec votre don, vous sauvez des vies. C'est la seule chose, c'est le seul message qu'on puisse lancer. Et nous, en tant qu'élus, et j'aimerais d'ailleurs, je suis conseiller départemental des Hauts-de-Seine, le département que vous avez dirigé. J'espère que le conseil départemental des Hauts-de-Seine va aussi suivre la région en voie d'aide pas pour soutenir le Magen David Adom. Merci encore à vous tous de votre présence et merci. Je pense qu'on peut vraiment applaudir et se lever pour applaudir Nicolas Sarkozy. Merci à vous. Premier adjoint maire de Valois. On va accueillir sur scène désormais les deux têtes d'une institution qui est une institution communautaire forte, sinon la plus forte en France. Il s'agit des présidents du consistoire de Paris, monsieur Joël Mergui, et du consistoire de France, Élie Corchien. Cher Joël Mergui, tu peux prendre la parole, je t'en prie. Monsieur le Président de la République, cher Nicolas Sarkozy, cher Michel Torza, mes chers députés, chers sénateurs, chers élus, chères communautés juives, chers soutiens du Magen David Adom, cher Victor, chers amis. C'est un grand moment d'émotion de prendre la parole devant Nicolas Sarkozy une nouvelle fois. Ça faisait longtemps que je n'avais pas pris la parole devant vous, Monsieur le Président de la République. Et j'ai tout de suite en mémoire le voyage que nous avions fait à Toulouse. Dans cet avion, vous m'aviez dit, en revenant, si vous organisez quelque chose dans une synagogue ce soir, nous serons présents avec le gouvernement. Et je me souviens à la fois de ce terrible moment qui marquera complètement un tournant dans l'histoire de notre pays, dans l'histoire des drames de notre pays, après Ilan Halimi, l'assassinat à Toulouse des enfants Monsonego, de leur père et de la petite Myriam Monsonego. Ce moment a marqué certainement dans notre relation quelque chose de fondamental dans le tournant de l'histoire du judaïsme et la soirée qui a eu lieu également à la Grande Synagogue de la Victoire. Alors je me dois d'évoquer ce moment parce que la solidarité qu'on avait ressentie du président de la République et du gouvernement et malheureusement les solidarités qu'on a pu ressentir depuis dans tous les événements qui ont touché la communauté juive ont fait que nous sommes encore là, debout, à croire en notre avenir en France. On en a parlé à de très nombreuses reprises, avec bien entendu les inquiétudes que nous connaissons. Et ce soir, la douleur est forte de savoir qu'effectivement, nous sommes dans une journée de commémoration également du drame du Bataclan, mais aussi dans une prise de conscience, je l'espère, de plus en plus générale, que l'assassinat de Toulouse et tous les assassinats qui ont suivi depuis sont la même haine. La haine des Juifs, la haine de l'ordre établi, la haine de l'Occident, la haine de la démocratie. Et c'est cette même haine dont le monde est en train de prendre conscience et que nous combattons ensemble. Alors merci, Monsieur le Président de la République, je vous ai accompagné deux fois en Israël. Je sais votre attachement à l'État d'Israël, je sais votre attachement à la communauté juive et je ne suis pas surpris que vous soyez ici ce soir pour soutenir le Magen David Adom et son action. Je voudrais simplement dire en quelques mots que nous avons accueilli le Magen David Adom tout de suite après à la Grande Synagogue de la Victoire avec le rabbin Moshe Sebag et que c'était aussi un moment très important de mobilisation et les mobilisations continuent, ça me permet de vous remercier à toutes et à tous. Parce que ça fait un mois que la communauté juive dans le monde souffre. Et ça fait un mois que vous êtes, je vois vos visages, mobilisés d'un événement à l'autre pour soutenir l'ensemble des actions d'Israël. Israël a besoin de nous et nous sommes présents, vous êtes présents et vous continuerez à être toujours présents pour répondre présents. Et je voudrais simplement vous dire qu'il y a un mot que j'ai trop entendu ces derniers jours. C'est un mot dont, Monsieur le Président, vous savez que je l'ai combattu. Les Juifs n'ont pas peur. Les Juifs ne doivent pas avoir peur. Et je ne veux plus vous entendre dire que vous avez peur. Les Juifs ont la tête haute. Les Juifs
être fiers des valeurs que nous portons. Personne ne nous empêchera de porter une kippa sur la tête. Personne ne nous empêchera de porter un tzitzit katan. Personne ne nous empêchera d'aller à la synagogue. Personne ne nous empêchera d'emmener nos enfants dans les écoles juives. C'est à la République, c'est à la France de nous soutenir, c'est à la France de faire en sorte, comme l'a dit le président de la République, que la France reste de la France et que les Juifs n'aient pas peur. Alors, la France doit avoir peur que les Juifs aient peur. Mais les Juifs n'ont plus peur. Je vous en prie, enlevez ce mot de vos bouches, nous n'avons pas peur. Et nous n'avons pas peur, pourquoi? Parce que la vérité est avec nous. Et quand on voit le Magen David Adom, et quand on voit toutes les organisations qui font qu'Israël est Israël, qui font que le peuple juif en Israël est fier de ses valeurs, que l'éthique de Tsahal est l'éthique de l'armée la plus éthique du monde, et qu'aujourd'hui le Magen David Adom a comme référent la Croix-Rouge, qui aujourd'hui a oublié de nous donner des nouvelles des otages. Alors je voudrais simplement dire qu'il y a une différence fondamentale entre ce Magen David Adom qui secourt des vies, qui nous donne des nouvelles tous les jours de tout ce qui se passe, et la Croix-Rouge qui devrait aujourd'hui se préoccuper de nous donner des nouvelles des 240 otages qui sont là. Voilà, c'est simplement ces quelques petits mots. Mes chers amis, continuez à être fiers, continuez à soutenir Israël, continuez à soutenir le judaïsme et continuez à faire évoluer et avancer notre communauté. Et merci à vous, Monsieur le Président de la République, avec tous les élus, de continuer à nous soutenir. Merci beaucoup. Mes chers amis, je vois mes amis Victor et Michel qui regardent leur montre puisqu'on était censé faire des interventions courtes. Donc je ne serai pas très long, bien évidemment, par promesse vis-à-vis de vous. En clôturant ces interventions avant que le responsable du Magen David Adom, Ilan, intervienne tout à l'heure, je voulais évidemment remercier les organisateurs de cette belle soirée, mes amis Victor, Michel, toute l'équipe du Magen David Adom, saluer évidemment Monsieur le Président de la République, Nicolas Sarkozy, cher Louis Sarkozy, bonjour. Les élus qui sont là, sénateurs, députés, élus de la nation qui nous ont parlé tout à l'heure, Monsieur le Vice-président du Sénat aussi. Je voudrais vous dire un mot. Il n'y a pas de hasard chez nous. On ne croit pas au hasard. On croit au rendez-vous. Et c'est un rendez-vous important qui a lieu ce soir pour soutenir Israël, pour soutenir le Magen David Adom qui sauve des vies. Et en même temps, avoir cette soirée-là un 13 novembre. Ce matin, nous étions réunis à l'Élysée auprès du président de la République, à la demande du président de la République Emmanuel Macron avec le ministre de l'Intérieur. Il avait voulu réunir les cultes après cette marche historique que nous avons vécue hier. Le 9 octobre, nous avions été assez seuls, les Juifs, sur la place du Trocadéro. Hier, nous étions plus de 100 000. Le signal était beaucoup plus fort. Et il faut le dire, nous nous sommes sentis moins seuls. Mais ce matin, dans le bureau du président de la République, et après certaines déclarations qui n'ont pas été bien comprises, il faut le reconnaître, au cours de ces derniers week-ends, je lui ai rappelé qu'en ce 13 novembre, il faut toujours avoir à l'esprit que le combat que mène Israël contre les terroristes du Hamas, ce n'est pas que pour la survie de l'État d'Israël. Israël doit se défendre pour sauvegarder l'État, mais il doit aussi continuer le combat qui est le sien aujourd'hui, parce qu'à travers ce combat, c'est le combat qu'il mène pour toutes les démocraties contre les ténèbres, pour toutes les démocraties contre le terrorisme. Et il n'y a pas de différence entre Daesh, l'État islamique et le Hamas. Nous devons soutenir Israël comme nous avons soutenu la France après les attentats, lorsque notre pays devait attaquer Raqqa et Mossoul pour tuer des terroristes. Je vous dirai un dernier mot. Vous voyez, ici, il y a marqué « Association au service de la vie ». Et vous me voyez tous les jours, je ne savais pas il y a 2 ans quand j'ai été élu au Consistoire de France, que nous serions et que je serais dans ce moment historique, du matin au soir, à devoir être partout. Je voulais vous dire un petit mot. Ceux qui ont commis les atrocités contre Israël le 7 octobre, ils nous font penser aux terroristes qui disaient « Vous les Juifs, vous aimez la vie comme nous, on aime la mort. » Et quand j'ai accompagné les victimes à Toulouse et ensuite à l'Hyper-Cacher, j'ai rappelé, notamment dans les procès aux assises, cette phrase des terroristes. « Vous aimez la vie comme nous aimons la mort. » Ce soir,
c'est le plus beau des symboles. Nous, nous sommes toujours du côté de la vie. Et nous sommes donc ce soir avec le Magen David Adom, parce que eux, ils continuent tous les jours à sauver des vies, continuons à les aider et continuons à porter les valeurs qui sont les nôtres. Merci Joël Dermine, merci Olivier Chien pour vos mots réconfortants, vos mots forts et ces prises de position que nous aimons entendre. C'est un privilège de vous présenter ce soir une personnalité remarquable qui a été en première ligne des défis auxquels est confronté Israël. Notre invité n'est pas étranger à l'adversité, il a même été un leader inflexible sur le front depuis le début du conflit qui a débuté le 7 octobre. En tant que directeur adjoint du Magen David Adom Israël, il a joué un rôle essentiel dans la coordination des interventions d'urgence, la fourniture de soins médicaux critiques et la garantie de la sécurité de toutes les victimes du terrorisme. L'engagement de ce monsieur envers la mission du Magen David Adom va au-delà de la responsabilité professionnelle. C'est un témoignage de l'esprit de résilience et d'unité qui définit ceux qui servent en période de crise. Ce soir, alors que nous nous réunissons pour exprimer notre solidarité et offrir notre soutien, permettez-nous d'accueillir chaleureusement un véritable héros, Monsieur Ilan Klein. Et cher Ilan, pour qu'il ne soit pas seul sur scène, j'aimerais aussi inviter pour t'encadrer tous nos parrains de cette soirée. Michel Bouchna. Philippe Lelouch, Steve Suisse, et mon cher ami Ariel Wiesman. On est bien tous sur cette scène, et je crois qu'il est heureux d'être encadré par des gens aussi sympathiques. Vous êtes nos parrains depuis des années, vous nous suivez, vous nous soutenez. Et cher Ilan, ils ont peut-être envie d'entendre de ta bouche ce que tu as vécu depuis le 7 octobre dernier. Oui, bonsoir. Alors pour nous, le 7 octobre a commencé à 6h30 quand la première sirène, la première alarme nous a réveillés. Comme d'habitude, on court vers l'abri et on appelle le standard. 3-4 minutes après, on a compris que quelque chose de différent se passe. Le directeur du standard m'a dit, dès que les roquettes tombent dans ta région, il faut nous rejoindre ici au standard, parce qu'il y a quelque chose de différent. En 20 minutes, j'étais dans le standard, et on a commencé à comprendre ce qui se passe. C'était des roquettes, 3000 roquettes, c'était des terroristes partout et c'était des secouristes qui nous crient dans la radio quand on n'a même pas compris qu'il y a des terroristes. Écoutez, il y a des terroristes, ils nous tirent dessus. Je peux vous dire que quand on a entendu ça, on a essayé d'appeler ce secouriste, celui qui nous a informé, et il ne nous a plus répondu. Et on a compris. Et c'était à 7h du matin, on a compris qu'on a perdu notre premier secouriste. Très vite, on a élevé notre état d'alerte, on a envoyé des ambulances de partout dans le pays, vers le sud, parce qu'on a compris qu'il y a des milliers d'appels. On a traité plus que 3000 blessés avec des ambulances standards, avec des ambulances blindées. On était partout sur le terrain et pendant peut-être 6 ou 7 heures, ça n'a pas arrêté et ça continue et d'autres appels. Moi, dans le standard, quand on a géré les opérations, j'ai entendu une conversation d'une de nos secouristes avec un petit garçon de 10 ans qui nous raconte: ils ont tué mes parents, je ne sais pas quoi faire. Et nous, de l'autre côté de la ligne, on doit lui donner une réponse, on doit arriver chez lui, et on comprend que pour arriver chez lui, on doit passer par ces terroristes. Ce jour-là, on a perdu des secouristes, ce jour-là, on a perdu des ambulances, mais je crois que ce jour-là,
c'était la grande puissance du Magen David Adom. Parce que peut-être on a beaucoup d'expérience avec les attentats, on a beaucoup d'expérience en général avec le sauvetage de vie, mais ici, on était les premiers sur le front pour se battre, pour sauver des vies. Merci. Je sais que la situation est difficile, je sais que la situation est compliquée, mais je vais te poser deux questions en une. D'abord, je voudrais que tu nous dises quel est l'état d'esprit aujourd'hui de nos secouristes, ces jeunes hommes et ces jeunes femmes qui, pour certains, comme je l'ai dit tout à l'heure, eh bien, n'ont même pas rejoint leur maison depuis le 7 octobre. Deuxième question, quels sont les besoins fondamentaux du Magen David Adom? Alors, du point de vue de l'état d'esprit, c'est compliqué, c'est pas facile. On a perdu des amis, c'est la guerre, c'est très intense. Mais je crois qu'on est tous avec la même mission. On est là pour gagner, on est là pour gagner pour la vie. Et ça nous donne de l'espoir. Ça nous donne la volonté de continuer. Et je crois que pour nous, c'est la plus belle cause, de pouvoir sauver des vies. Et peut-être il faut le dire, parce que ce qui s'est passé dans le Sud, c'est que le Sud, l'État d'Israël et le Magen David Adom doivent se préparer pour une guerre multifront. On doit se préparer pour le Nord, parce que le nombre de roquettes que le Hezbollah a contre l'État d'Israël, c'est monstrueux. On parle de 150 000 roquettes. Ce n'est pas les 3 000 roquettes qu'on a souffert pendant le 7 octobre. On parle de 10 000 roquettes par jour. Et pour ça, on est là. Et pour ça, le Magen David Adom est là. Et peut-être, pour la deuxième partie de la question, Victor, c'est ce qu'on a besoin. On a besoin maintenant de se préparer pour le futur. On est là pour se préparer, c'est très simple. On a besoin de 300 ambulances standards et encore 100 ambulances blindées pour dire on est prêt pour les prochains challenges. On espère de tout cœur de ne pas être confronté face à ça, mais si on sera, alors les 30 000 bénévoles du Magen David Adom, tout le personnel, toute la gestion de cette organisation, on est là pour se battre pour la vie. C'est une guerre, mais c'est la plus belle des guerres, la guerre pour la vie. Mesdames et messieurs, il y a un peu. Monsieur Michel, généralement, on se rencontre pour des moments beaucoup plus festifs. Ce soir, c'est un moment beaucoup plus solennel. Et évidemment, quand je t'ai fait la demande de venir ici, en tant que parrain depuis plusieurs années désormais, tu as évidemment dit oui tout de suite, puisque c'est une organisation qui te tient très à cœur, le Magen David Adom. Ben, depuis 7 ou 8 ans que je suis parrain, souvent je me disais, je n'espérais pas me retrouver dans cette situation-là. Je n'espérais pas voir, entendre tout ce que tu viens de dire. Tout le travail depuis 7 ou 8 ans que je vois faire, il est aussi pour ces moments-là. Il est aussi... parce que souvent, on pense qu'on est alarmiste. Souvent on dit, mais c'est important, il faut soutenir le Magen David Adom. Là, c'est tellement énorme. Alors, je suis triste de ne pas faire rire, là, maintenant. Mais en même temps, je dois dire en ce moment, quand je suis sur les routes et que je joue dans les théâtres un peu partout, je n'arrête pas de faire rire. Parce que si j'arrête de faire rire, ils ont gagné. Et je le dis tous les soirs à la fin de mon spectacle. Si on arrête de rire, ils ont gagné.
Rire, ce n'est pas se moquer de la souffrance, c'est de la surmonter, de la dépasser, de se reconstruire. Alors, c'est très embêtant, hein, parce qu'on est 14 millions. Je parle avec mon fils au téléphone, on est 14 millions. C'est rien. Non, mais soyons sérieux. Arrêtez de me regarder en rigolant, c'est pas rigolo. On est 14 millions, c'est-à-dire on n'est pas beaucoup du tout. Vous vous rendez compte? Et on est une petite lumière. Et je suis profondément persuadé que si cette petite lumière, elle s'éteint, le monde entier va vivre dans les ténèbres. C'est fou comme cette petite lumière. Genre, c'est une bougie. Tu vois? C'est une bougie, on passe depuis des milliers d'années, à jamais elle s'éteint. Nous, on fait attention à qu'elle ne s'éteigne pas. Et il y a beaucoup qui veulent l'éteindre. Et cette petite bougie, elle brille encore. Elle est encore allumée. C'est fou comment cette petite bougie, depuis si longtemps, elle éclaire le monde. Alors qu'elle est toute petite. C'est tout petit une bougie. Je t'en prie, tu la mets dans une pièce, à peine ça éclaire la pièce. Même tu mets une bougie dans une pièce, tu te dis, bon, mets de la lumière, on ne voit rien. Et pourtant, le peuple juif, c'est cette petite bougie qui éclaire le monde. C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'on arrête et de rire, et de vivre, et de se battre. Voilà. Je suis content quand même parce que vous avez ri un peu. Merci Michel. Alors, j'ai fait une promesse à une femme que j'aime beaucoup et que j'ai connue il y a quelques jours, si j'ose dire. C'est le bras droit du président à qui j'ai promis, chère Véronique Wash, qu'il démarrait à moins le quart. Il est presque 9h. Donc, en 5 minutes, on doit dire l'essence, mais je suis très heureux et très honoré de recevoir sur scène un homme, un comédien en tous les cas, qu'on entend beaucoup ces derniers temps et qu'on admire beaucoup pour son courage. Sur scène avec nous, et quelque part c'est un peu ton théâtre, le théâtre de la Réunion. Oui, je sais pas comment parler derrière des gens aussi courageux. Michel a à peu près résumé le fond de ma pensée aussi. J'ai foulé cette scène pendant des mois et des années pour faire rire les gens, et là j'ai pas envie de rire. C'est très compliqué. Je suis un juif en carton, normalement je fais que Kippour. Voilà. Et tout à coup je me retrouve à parler parce que je suis touché dans ma chair, dans mon sang. Dans tout ce qui compte pour moi, je suis très ému. Je suis né en Israël, et quand aujourd'hui on attaque les miens et les Français, on attaque deux fois les miens. Quand on dit aujourd'hui, parce que c'est une remarque de journaliste, mais vous avez de la famille en Israël? Je dis oui, 7 millions de frères et sœurs. Et je voulais partager avec vous, parce que je pense qu'on ressent tous la même chose, on a été tristes. Et en ce moment, on a envie de bagarre. Qu'est-ce que j'ai envie de me battre? Je discutais hier avec Yvan Attal qui me disait « Si je faisais 1m95, je passerais ma journée à me lancer des patates. » Et je comprends ça. Et en même temps, j'ai cette colère, moi aussi. J'ai envie de me battre avec tout le monde, même avec Macron qui vient pas hier, alors que j'avais rien contre lui. J'ai envie de me battre avec l'archevêque de Paris qui n'était pas là hier. J'ai envie de me battre avec tous les musulmans modérés qui n'étaient pas là hier. J'ai envie de me battre avec tous les artistes qui se taisent. Mais tout ça ne nous ressemble pas. Ça ne nous ressemble pas. La colère, ce n'est pas une vertu, c'est écrit dans le livre. Je ne sais pas grand-chose, mais ça, je le sais. Notre devoir, c'est de parler, c'est d'écouter, c'est d'attendre. Parce que je fais partie de ceux qui ont réagi vite, parce que comme une espèce de préparation innée, où je me disais ça vient de tomber sur la gueule un jour ou l'autre, et c'est le cas, et j'en suis le premier malheureux. Mais il faut comprendre que chez d'autres, ceux qui sont moins concernés, peut-être que nous, je pense aux artistes français, ils ont besoin de temps. Parfois, on a besoin de temps pour faire son deuil, pour comprendre, pour admettre. Et comme l'a dit tout à l'heure, avec beaucoup de talent, le président du consistoire, le premier jour, il n'y avait que nous.
Hier, il y avait 105 000. Et je suis sûr, mes frères et sœurs, que bientôt on sera des millions. Patientons et battons-nous en parallèle. Merci beaucoup, Philippe. Avec le speech du soir, c'était également une histoire très fraternelle. Il nous suit depuis le début. Et c'est surtout un homme qui fait absolument tout pour soutenir le Magen David Adom. Et c'est à son initiative que quelques jours après le début de la guerre, le 7 octobre, on a été réunis si nombreux à la synagogue de la Victoire pour écouter tes mots de grands hommes juifs. Steve. Merci. Je suis un peu comme tous mes camarades. Je vais faire vite. Mon grand-père est le premier à avoir ouvert une boucherie en 1952 avec une étoile de David sur la façade, c'était rue Richer. Il voulait que je prenne la suite et je voulais pas être boucher. Et je me suis battu pour faire de la culture. Il m'a plus parlé jusqu'au jour de sa mort, où il m'a serré la main, il m'a regardé et il a fermé les yeux. Et aujourd'hui, je m'aperçois que depuis des années, et encore plus depuis le 7 octobre, je passe ma vie à servir ma communauté et je passe ma vie à servir mon peuple, que ce soit dans l'émission du dimanche matin, que ce soit en racontant Anne Frank, Fred Nakache. Et aujourd'hui, je veux juste vous dire un mot. Le Hamas a réussi quelque chose. Profondément. Le Hamas a réussi parce que nous tous, juifs, nous nous sommes jamais retrouvés autant ensemble et nous nous sommes jamais autant aimés. Et moi, je ne peux pas m'en être 95, mais celui qui touche un juif ou une juive, il aura affaire à moi. Bonne soirée. Merci, Pierre. Chers amis, merci Ilan Klein, Michel Bouchna, Philippe Lelouch, Steve Suissa. Il y a une mission qui est toujours extrêmement compliquée et voilà, c'est mon ami Ariel Wiesmann qui en a toujours la charge. Il s'agit pour conclure cette soirée mémorable de parler d'argent, de fonds, mais mon cher Ariel le fait avec tellement d'élégance, je vais lui laisser la parole. D'abord, je voudrais vraiment saluer très chaleureusement le président Nicolas Sarkozy, parce que les responsables politiques viennent souvent lorsque ça les arrange, et on peut compter sur le désintéressement et la proximité de cœur de Nicolas Sarkozy. Et je sais, pour l'avoir rencontré il y a des années, il n'était même pas encore président, la chaleur qu'il peut dégager et la sincérité et l'authenticité de ses convictions, elles sont là et j'espère qu'on va les écouter très vite si je suis court. Je voudrais vous dire qu'il n'y a rien qui n'ait été dit déjà sur ce conflit. Les vérités et les contre-vérités aussi sont sous nos yeux, sous les yeux du monde. Alors quoi ? Ce que ressentent les citoyens d'Israël, ce que ressentent les Juifs, ce que ressentent les hommes de bonne volonté, les proches de nous, comme Nicolas Sarkozy, ce qu'ils ressentent est devenu incommunicable. La Ouma, la jeunesse, les influenceurs, les journalistes à moitié formés, les sociologues à moitié habiles, tous sont devenus des experts du Moyen-Orient en une journée, en quelques heures, et tous voient le monde à la manière des nazis, des staliniens, des hutus, des polpotistes. Il y a des purs et des impurs, des dominants et des dominés, des oppresseurs et des opprimés, et leur choix est en général simple, mécanique. Ils se portent vers celui qui exhibe le plus sa misère. Il se porte vers celui, d'ailleurs son statut de victime, hein, celui qui en a fait un éternel métier, il se porte vers celui qui a le plus de followers, celui qui est le plus chéri des anonymes haineux, des loups solitaires, qui est en général aussi celui qui a la pensée la plus simple, la plus raccourcie, et qui déploie le plus de testostérone et de masculinité toxique. Voilà leur cœur. C'est un impitoyable algorithme, lâche et conformiste,
qui ne fait pas le premier travail d'un homme, la réflexion. Je ne sais pas si les gens qui sont dans cette salle le savent, mais le cœur de la vie juive n'est pas la religion, c'est l'étude, le doute, la découverte d'un sens nouveau, toujours tapis sous le sens obvie. Réfléchir, c'est déjà chercher la paix, car c'est imaginer autre chose que ma seule compréhension. Nous essayons chaque jour de dire au monde, nous sommes ce peuple-là, longtemps opprimé, un peuple en danger, un reste de désastre qui continue à se pencher sur les livres. Nous aimons la vie et nous n'aimons pas avoir à donner nos enfants à une armée, même si c'est la plus éthique du monde, et nous n'aimons pas tuer les vôtres d'enfants. Comme dans les mauvais rêves, nos bouches parlent, et c'est comme si aucun son n'en sortait. Derrière une vitre bien fine, mais bien insonorisée aussi, nous voyons s'agiter des silhouettes énervées. Ils marchent derrière des slogans de moins en moins élaborés. Hier encore, ils disaient « solution à deux États ». Ce matin, ils disaient « from the river to the sea ». Cet après-midi, « death to all Jews » était une tendance massive sur Twitter. Mes amis, y a-t-il autant de malades parmi nous, parmi tous ces gens que nous croisons quotidiennement? J'arrive pas à le croire, en fait. Je veux imaginer qu'un compte X russe n'a pas de visage, qu'un bot du Hamas n'est pas un être réel, mais je croise des regards. Tel chauffeur de taxi me toise sans raison, tel livreur goûte la peur diffuse qui le précède, telle horde d'inaptes scolaires vous frôle pour vous faire ressentir que l'heure de gloire des ignares et des ricaneurs est proche. Souvent, quelle tristesse, c'est à la jeunesse qu'incombe le triste privilège de nous rappeler les gesticulations sadiques des SS. Mes amis, nous sommes prudents, mais nous n'avons pas peur. Notre mémoire génétique s'est réveillée. Nous sommes unis comme jamais, et nous savons que nos choix n'ont pas varié depuis 6000 ans. La vie, la justice, le bien, c'est ce que nous avons choisi. Sur les visages de tous les gens du Magen David Adom, eh bien, il y a ces trois valeurs tellement essentielles, et la vie en premier, et la justice aussi. Qu'ils portent une kippa, qu'ils soient en short, de tous les horizons possibles d'Israël et de tous les pays du monde, au service de toutes les vies à sauver, y compris celles des terroristes. Les visages du Magen David Adom sont nos visages, les visages que nous rêverions d'avoir, les visages de ceux qui se portent au secours de la vie. Alors ce soir, je sais que c'est une succession de discours et c'est une succession d'interventions, mais je sais que vous savez qu'il y a en dessous, à côté de vous, des sacs. Ils contiennent le livre du bien-aimé Nicolas Sarkozy, notre président, mais aussi une enveloppe dans laquelle il est urgent de faire des dons. Je crois que vous n'imaginez même pas les besoins du moment. Ils sont gigantesques et ça n'est que le début. Il va falloir tenir. Je vous en supplie, cet argent sera mieux dans les caisses du Magen David Adom que dans vos poches. Nous sommes là, nous vivons. Tout ce que j'ai dit installe un climat, mais il ne nous arrive rien. Nous travaillons, nous gagnons de l'argent. Donnons-en au Magen David Adom ce soir. J'attends Victor, mais voilà, l'appel au don, il est très très clair. Vous savez que des secouristes, des médics, des paramédics ont été tués. Vous savez que des ambulances ont été détruites. Vous savez que tout le matériel médical possible et imaginable a été utilisé pour des actions d'urgence. Donc je vous en supplie, ne partez pas d'ici sans laisser même quelque chose de symbolique. Mais le symbolique, c'est important,
mais ça n'est pas tout. S'il vous plaît, donnez ce soir pour la cause d'Israël, pour le rayonnement moral d'Israël, pour la justice juive et pour la vie. Le mécanisme, il est simple, les enveloppes sont dans vos sacs avec le livre de Nicolas Sarkozy, vous les remplissez et cette fois-ci on ne va pas passer parmi vous, vous les laissez près de l'entrée, il y a des urnes qui sont prévues à cet effet. Merci, merci au nom du Magen David Adom, au nom de l'État d'Israël et au nom de l'humanité. Merci. Merci beaucoup Ariel Wiesman, et il est temps de recevoir bien deux présidents de la République, un président de la République, Nicolas Sarkozy, et un président du Magen David Adom, Michel Torza. Merci à vous. C'est un grand honneur de vous avoir parmi nous, je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y a aussi quelque chose qui fait écho au réconfort, puisque vous êtes une personnalité qui est aussi un grand ami de l'État d'Israël, et dans les moments durs, vous répondez présent. Monsieur le Président, le samedi 7 octobre 2023, comme des millions de personnes en Israël, dans tout le Proche-Orient, en Europe et dans le monde, vous vous êtes réveillé avec la nouvelle effroyable d'une attaque massive d'un mouvement terroriste qui s'appelle le Hamas contre des civils israéliens et sur le sol israélien. Les violences perpétrées et subies par Israël sont inédites par l'ampleur, par leur intensité dans toute l'histoire de l'État hébreu, parce qu'elles touchent très précisément l'innocence des femmes enceintes, des enfants, des vieillards, des jeunes gens qui s'amusaient et prenaient en plus un dialogue de paix. Cette violence effroyable et indicible visait des populations totalement désarmées. Que vous dites-vous lorsque vous apprenez ce qu'il se passe? Quelles sont vos réflexions les premières 48 heures qui suivent le début des événements? Non, c'est toujours la même, 48 heures ou pas. Moi, je me suis dit, ça n'en finira donc jamais. Ça recommence. Ça ne va donc jamais cesser. Et je ne veux même pas décrire ce qui s'est passé. Face à ces ignominies, il n'y avait qu'une réaction possible, et c'est pour ça que j'ai voulu être au Trocadéro. Nous étions tous juifs. Je ne comprends pas les réactions de certains. Quand il y a eu le massacre de la rédaction de Charlie Hebdo, tout le monde était Charlie. Même moi. Et pourtant, j'avais bien des différences. Franchement, ça m'a coûté. Mais j'ai voulu être du côté des victimes. Parce que ce qu'ils ont subi était atroce. Mais le parallélisme des formes devrait conduire aujourd'hui à ce que tous, surtout les non-juifs, disent « Je suis juif. » Parce que je suis du côté des victimes. C'était ma réaction et d'ailleurs ça l'est toujours. Vous savez, moi, j'ai été élevé par mon grand-père. Je ne suis pas juif. Je ne suis juif que pour les antisémites. J'ai la double peine. C'est pas assez juif pour les juifs et trop juif pour les autres. Remarquez, ça fait beaucoup. J'ai toujours eu, avec constance, un courrier antisémite qui m'était adressé avec une régularité que je veux saluer. Il n'a jamais changé. Mais j'ai été élevé par mon grand-père, que j'adorais. C'est lui qui m'a élevé. Il était juif. Enfin, il est parti à 11 ans de Salonique.
parce que la communauté juive de Salonique était liquidée. C'est une longue histoire. Et pourquoi je pense profondément qu'on ne peut pas assimiler la lutte contre le racisme et la lutte contre l'antisémitisme? Il y a une raison pour moi. Bien sûr que l'antisémitisme, c'est du racisme. Et bien sûr qu'il faut lutter contre le racisme. Mais il y a une histoire propre à l'Europe. Auschwitz, c'est l'Europe. C'est pas un pays arabe. La Shoah, c'était l'œuvre des Européens, et pas n'importe lesquels. L'une des premières civilisations européennes, les Allemands. C'est pas les Arabes. 6 millions de Juifs. C'est en Europe, au XXe siècle. Donc c'est une affaire qui remonte loin. Et on ne peut pas passer ça sous silence. Et c'est pour ça que l'antisémitisme ne peut pas disparaître derrière l'antiracisme, parce que faire disparaître l'antisémitisme derrière la lutte contre le racisme, c'est une forme de négation de la Shoah. Il y a une réalité, c'est une réalité européenne et française, fait partie des pages sombres de notre histoire. C'est pas en France, c'est au Danemark que des braves gens qui n'étaient pas juifs ont mis une étoile jaune. Il faut se souvenir de ça. Et cette histoire nous oblige. Donc j'étais content qu'hier, cette manifestation ait eu parfaitement raison d'organiser le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale. Il y a plus de monde que Trocadéro. Mais j'aurais souhaité qu'il y en ait bien plus. Donc il faut continuer. Et il faut élargir. C'est pas une question d'être juif ou pas juif. C'est les juifs sont les premiers à y passer. Et après, c'est tous les autres. Si on ne comprend pas ça, on n'a rien compris à l'histoire. J'ai d'ailleurs eu l'occasion de dire bien souvent au président des différentes institutions juives que je pense que les juifs sont les mieux placés pour appeler à la tolérance, à la concorde, parce qu'ils sont toujours les premiers sur la liste, mais ils annoncent toujours que les autres vont suivre. Et ça, c'est une constante de l'histoire. Quand on touche un juif, il faut bien comprendre que personne n'est en sécurité. Parce qu'on est toujours le juif de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est une réalité historique. Et là où les juifs ont été le moins bien traités, je regrette de le dire, c'est au XXe siècle et c'est en Europe. Donc c'est la raison pour laquelle les pays européens devraient être en pointe dans la lutte contre l'antisémitisme. Et après, comme je pense, moi, j'ai dit à la tribune des Nations Unies que si Israël était engagé, était attaqué, moi j'engagerais l'armée française. Je l'ai dit en tant que président de la République, à la tribune des Nations Unies. Ce qui ne veut pas dire que je ne réclame pas le droit, la possibilité d'avoir des désaccords avec le gouvernement d'Israël. C'est autre chose, ça. Il y a le livre et il y a le journal. Sur le livre, vous pouvez compter sur moi à 100%. Après, sur le journal, on doit discuter. Monsieur le Président, vous êtes évidemment un grand ami d'Israël, mais aussi un grand ami de la communauté juive de France, et cette amitié, vous le savez, est très réciproque. Et c'est probablement à l'occasion de votre mandat présidentiel, pour la toute première fois depuis l'avènement de la Ve République, qu'on a pu ressentir aussi une inflexion véritable de la politique étrangère de la France, notamment à l'égard d'Israël. Une inflexion vers une relation nouée par des liens davantage resserrés. Quel lien particulier entretenez-vous avec l'État d'Israël? Est-ce que celui-ci a pu influencer votre engagement politique, diplomatique dans la région? Vous savez, je vous ai parlé des liens familiaux, mais ça va bien au-delà de ça.
la Shoah est un élément fondateur du XXe siècle et de la civilisation. Je veux dire, la civilisation ne peut pas être pareille avant la Shoah et après la Shoah. Israël est né de la Shoah. Quand je dis né de la Shoah, vous comprenez, je veux dire, le choc hallucinant du génocide juif a créé les conditions politiques de l'émergence de l'État d'Israël. Donc l'État d'Israël, c'est le marqueur du refus absolu de tous les gens civilisés pour tout ce qui s'apparenterait de près ou de loin à la Shoah. Donc la disparition de tout pays est un drame, mais la disparition d'Israël n'est pas concevable pour la conscience universelle des humanistes parce qu'au XXe siècle, il y a eu la Shoah. C'est un événement fondateur, dramatique, qui nous oblige. Et Israël est né de cela. C'est ce qui fait sa spécificité. C'est ce qui fait que Israël doit être précieux aux yeux de tous les habitants de la planète. C'est ça. Et donc la disparition d'Israël, ça voudrait dire que la Shoah n'a servi à rien et que ceux qui avaient voulu la Shoah aient finalement triomphé. C'est inacceptable. Ce n'est pas une question politique. C'est une question profondément historique et de civilisation. C'est ça, Israël. Ouais, chacun peut avoir des liens particuliers, peut dire que c'est une démocratie, peut dire que c'est une start-up, une nation start-up, peut dire tout ce qu'on veut. Mais c'est d'abord un signal de vie après le signal de mort de la Shoah. Et imaginez le symbole de la disparition d'Israël pour des gens comme moi qui ne sont pas juifs. C'est inacceptable. Parce que ça voudrait dire que le XXe siècle n'a servi à rien, qu'on n'a rien appris du XXe siècle. Donc ce n'est pas négociable. Après, bon, moi en tant qu'ami d'Israël, j'ai des inquiétudes. Je l'ai dit souvent, Maïa, mon ami, le sait bien. Ça a été chaud parfois entre Bibi et moi. Très chaud. Parce que j'ai voulu lui expliquer quelque chose. Vous pouvez gagner toutes les guerres que vous voulez. Mais si vous perdez toutes les guerres de la communication, ça va être quoi l'avenir ? C'est un sujet. Et dernier à la même, je suis de le poser. Parce que si on ne le pose pas, j'ai beaucoup aimé ce qu'a dit Camille Lelouch tout à l'heure. J'ai envie de me battre. Ne me sollicite pas, parce que moi, je suis un bagarreur. Franchement, même parfois, c'est Chirac qui m'a dit un jour, tu peux m'expliquer, alors que tu es président de la République, pourquoi tu as défoncé la porte encore ? C'est plus fort que moi. Donc je comprends la bagarre. J'aime la bagarre. Je me suis construit dans la bagarre. Mais il faut réfléchir aussi. Nous voulons qu'Israël puisse vivre en paix. Et je vous dis une chose, et je demande à chacun d'y réfléchir. Vous devez réfléchir au miracle de la réconciliation franco-allemande. C'est un miracle. Je vous ai dit que j'ai été élevé par mon grand-père. Je sais comment il appelait les Allemands chez moi. Comment on les appelait ? Il les déteste. Les Allemands nous méprisent et nous on les aime pas. Y en a-t-il un seul parmi vous qui rentre le soir chez lui et qui dit à sa femme : pour notre anniversaire de mariage, j'ai fait une surprise extraordinaire. 2 jours à Francfort. Bon, je vois que comme moi, vous n'avez pas choisi cette formule. Avec les Italiens, on peut s'engueuler. On est les mêmes et on s'aime. Avec les Allemands, bon, il faut que je vous confesse que entre Angela et Carla, j'ai beaucoup hésité. Je n'ai jamais entendu. On a eu beaucoup de discussions dures. Je n'ai jamais dit un mot contraire. Parce que de Louis XIV, en 1945, les Allemands et les Français, on s'est affrontés tous les 30 ans. On parle des deux guerres mondiales. Une grave erreur. Il y en a trois. 1871. Demandez aux gens de Sedan, de Metz, quand les Prussiens sont autour de Paris. Ils ne
et que la commune trouve rien de mieux que de foutre le feu au Louvre. Ce jour-là, j'ai compris que j'étais pas de gauche. Donc, nous sommes deux nations qui sont profondément détestées. Et eux, des génies qui ont imposé la réconciliation. Et je vous demande de penser à ça. Parce qu'un jour, il faut se réconcilier. Alors, vous allez me dire, c'est quand même curieux. Vous venez à peine un mois après le drame absolu, et vous venez de ça. Oui, je viens parce que je suis un ami. Et c'est dans les moments de grande tension que les gens sont le plus attentifs. Bien sûr que ça, c'est une terme formidable. Bien sûr qu'elle était dite. OK. On ne peut pas gagner toutes les guerres militaires et perdre la guerre de la communication. Il faut penser à ça. Il faut penser qu'un jour, il faudra se réconcilier. Et je veux dire une chose qui va peut-être vous interloquer. Il faut arrêter de dire que les Juifs et les Arabes ne peuvent pas vivre ensemble. Parce que pendant des siècles, ils ont vécu ensemble. Il faut arrêter de dire ça. Et il faut arrêter de dire aussi que l'antisémitisme a commencé avec l'immigration. Ça n'a rien arrangé. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Mais Dreyfus, c'était quand ? La Shoah, c'était quand ? Et le bouc émissaire, le juif qui est le bouc émissaire, ça vient de très loin. Donc il ne faut pas que l'émotion légitime du moment empêche de s'asseoir au bord de la lune pour regarder l'histoire. Parce que le peuple juif, c'est un peuple qui sait mieux qu'un autre qu'il a affaire avec l'histoire. Un jour que je rencontrais le Premier ministre Shamir, il a un physique curieux, grosse tête. Et moi, j'étais tout jeune parlementaire, et dans mes premiers voyages, et j'étais vraiment ému d'être reçu par le Premier ministre. Et je lui ai dit, oh, c'est formidable, merci de me recevoir. Il me dit, mon jeune ami, tiens, viens à la fenêtre. Il y avait l'agence d'immigration. Viens aller là-bas. Eux, ils travaillent pour le livre. Moi, je travaille que pour le journal. Donc, le peuple juif a affaire avec l'histoire, et la question de comment on va sortir de cette crise abominable et comment on va s'organiser pour que des siècles des siècles, Israël puisse vivre en paix, c'est une question centrale, aussi vraie que la guerre n'a pas réglé le problème entre les Allemands et les Français, qu'elle ne réglera pas le problème avec la Russie, qu'elle ne réglera pas le problème entre les Arméniens et les Azerbaïdjanais, qu'elle ne réglera pas le problème entre Taïwan et la Chine. À un moment donné, il faudra que des hommes d'État se lèvent et qu'ils parlent de politique. Comment on vit ensemble ? Car les pays ne changent pas d'adresse. Et moi, je veux l'avenir d'Israël. Voilà. Donc, j'ai des idées. Il faudra beaucoup de courage. Parce que c'est plus facile de continuer à se battre que de dire comment on fait pour reconstruire. Et qu'on n'ait plus jamais ça. Souvenez-vous de la Première Guerre mondiale. On allait humilier les Allemands. On a fait le traité de Versailles. On avait gagné. On était sûr. Plus jamais ça. 30 ans après, ça recommençait. En pire. Et c'est les génies qui ont fait l'Europe. Qui ont arrêté ça. C'est pas facile de dire ce discours-là. Et pourtant, c'est, me semble-t-il, le discours qu'il faut tenir. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'ils vont cesser le feu ou quoi que ce soit, je ne commenterai pas là. Parce que ce n'est pas le moment de faire de la politique politicaille. C'est trop sérieux et c'est trop grave. Les comptes seront réglés comme ils sont toujours dans la vie. Et l'histoire, vous savez, c'est un tamis. On voit ceux qui se sont trompés et ceux qui ne sont pas trompés. Sans aucun doute. Regardez, mon prédécesseur, mon successeur, immédiat. Pensez à ça. Comment on se sort de ça ? Comment
on éradique cette obsession du juif, cette obsession contre Israël, maladive, que nous ne pouvons pas laisser prospérer. C'est un sujet majeur qui devrait mobiliser beaucoup d'intelligence. Et c'est maintenant, non pas qu'il faut prendre des initiatives, mais c'est le temps du combat, mais il faut quand même penser qu'à un moment, il faut s'en sortir. Où est-ce qu'on atterrit ? Et Michel Torza, on a quand même envie de vous poser une question, on vous l'a posé le président du MDA, mais sur votre regard, sur ce qui se passe actuellement, et peut-être sur le rôle de la France, Michel. Monsieur le Président, comment percevez-vous les décisions politiques et diplomatiques engagées depuis le 7 octobre par la France ? La France joue-t-elle un rôle ? Est-elle entendue sur la question de la libération de nos ressortissants, notamment ? Moi, je suis très choqué qu'on parle si peu des otages. C'est facile de responsabiliser. Qu'est-ce qui fait la différence entre les barbares et les civilisés ? C'est que le poids d'une vie n'est pas le même. Je te remercie, Meir, d'avoir parlé de Gilad Shalit. Gilad ne parlait pas un mot de français. On ne savait même pas s'il était en vie. Je rappelle que Gilad a passé 5 ans dans une cave à Gaza, sans voir le jour. J'ai dit tout de suite, Gilad Shalit est français. J'ai reçu son père, il ne parlait pas en français non plus. Toucher un cheveu de Shalit, soldat, et la France rentra dans la bagarre. Que les choses soient très claires. Comprenez-moi, je ne dis pas que les 8 ou 9 otages français sont plus précieux que les autres. Je dis que le rôle du président français, c'est de ramener d'abord les otages français. S'il doit ramener les autres, s'il doit ramener les autres, tant mieux. Je ne dis pas que c'est facile. Je ne dis pas que c'est facile. Quand, vous savez, vous vous souvenez que le père de Gilad avait même campé devant les bureaux du Premier ministre à Tel Aviv. Et qu'il a fait faire passer une lettre du père au fils. Vous ne savez pas si le fils, le père de Gilad, est-ce qu'il est en vie ? Je dis, ma parole, je ne sais pas. Mais on va faire comme s'il était en vie. On n'a pas le droit de signer son acte de décès. Et il est sorti en vie. Traumatisé. Mais en vie. Je l'ai reçu. Les infirmières bulgares que l'autre fou, violé, battu, condamné à mort. Je les ai sortis. Je rappelle, pour ne pas avoir le son à se voir, que j'ai sorti également le médecin palestinien. Il y avait un médecin palestinien avec elle. Ingrid Betancourt, qui est colombienne, donc française, avec le FARC. On l'a sorti. Donc quand la France met son doigt, son attention, sur un otage, ça te force beaucoup plus que vous l'imaginez. Donc, que nombreuses étaient les mairies qui mettaient la photo d'Ygritte Bétancourt, peut-être vous en souvenez-vous, sur leur façade. Nous devons mettre la photo des otages français, parfois qu'ils soient tranquilles, israéliens, français. Je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter cela. Alors, c'est mon opinion. Les otages ont besoin d'une lumière. De la lumière de votre attention. De la lumière des médias. Parce que la lumière, c'est la vie. Le silence, c'est la mort. C'est pour moi extrêmement important de considérer ceci. Alors, c'est vrai, j'ai reçu la mère de cette malheureuse qui, depuis 26 jours sans aucune nouvelle, elle est venue avec le frère de la petite, et c'est vrai que je lui ai dit battez-vous. Je ne sais pas si on va réussir, mais
Ce que je sais, c'est que si vous, vous ne vous battez pas, c'est comme si vous aviez déjà accompagné votre fille au cimetière. Pardon de vous parler franchement, mais je parle clairement. Et j'ai une certaine expérience de la libération des otages. Ensuite, je pense qu'il y a des initiatives diplomatiques à prendre, qui sont utiles, parce que dans un monde aussi violent, il faut qu'il y ait des canaux qui restent ouverts. Je vous demande de le comprendre. Car si on ne peut pas faire passer des messages, y compris des messages durs, qu'est-ce qui se passe? Et donc il y a besoin de ces canaux d'ouverture. Des initiatives à prendre, je suis sûr que le président Macron les a prises ou les prendra. Si je peux aider, je suis naturellement tout à fait prêt à le faire. Je l'ai déjà fait. Mais ce n'est pas un mot de plus pour la France de se préoccuper des otages français. Et j'aurais souhaité, c'est vrai, qu'il y ait des photos des otages dans la manifestation de dimanche. Et quand même, je sens beaucoup qu'il devrait rassembler tout le monde. Monsieur le Président, l'inquiétude de la communauté juive est immense, forcément. Il y a même comme une chape de plomb, on a l'impression qu'il y a sauté. Évidemment, les tags antisémites, les étoiles de David qu'on va retrouver sur des maisons où vivent des familles juives, des commerces juifs, des mezouzotes que des familles juives enlèvent de leurs entrées. Et puis il y a les réseaux sociaux qui déversent leur haine à flux tendu. Tout cela se passe en France en 2023. Plusieurs questions. Comment évaluez-vous l'impact de ces réseaux sociaux et dans une moindre mesure de certains médias et certains hommes politiques sur l'antisémitisme qui galope d'abord en France, mais on va le dire dans toute l'Europe? Bon, Joël Mergui s'en souvient peut-être, mais quand je suis devenu ministre de l'Intérieur en 2002, j'ai adoré être ministre de l'Intérieur. Je dois être mon côté israélien. Je découvre que quand une synagogue était incendiée, le ministère de l'Intérieur répertoriait l'incendie de la synagogue comme étant l'incendie d'un bâtiment administratif. C'est vrai ou pas? Ce pauvre monsieur Vaillant. Il expliquait au moment de la passation du pouvoir qu'il était certain que Colonna était en Colombie. Il était à 20 km d'Ajaccio. Il n'est pas fait pour ça. D'accord. Et c'est intéressant. Parce qu'à l'époque, je parle de 2002, le mythe d'une France où il n'y avait pas d'antisémitisme. Quand j'avais dit qu'il y a de l'antisémitisme en France, les consciences, vous savez, celles qui sont sur le front là, le front très violent du Café du Flore, un front très courageux pour être là-bas, costume trois pièces et engagement, on contestait cela. Il y avait déjà des problèmes. Moi, je dois le dire que je porte comme un regret éternel de ne pas avoir attrapé à temps le petit Ilan Halimi. On l'a récupéré, il n'avait plus qu'un souffle de vie, il est mort quand on l'a mis dans l'ambulance, le gang des barbares. J'étais ministre de l'Intérieur, pourtant je vous jure, j'ai tout mis en œuvre pour. J'ai remis ciel et terre pour qu'on le trouve. Et on ne l'a pas retrouvé, c'est moi. Hein. On ne l'a pas retrouvé. On l'a retrouvé. Qui souffle de vie comme ça. J'ai vu l'image de l'ignoble assassin de Toulouse, dont j'ai juré que je ne prononcerai jamais son nom. Ça me salit. J'ai vu comment il a attrapé la petite, par la natte, avant de lui balancer les pas dans la tête. J'ai vu une femme
Pour moi, je l'ai dit, hein, le nom de Sandler, c'est sacré pour moi. Personne ne touchera ces gens. Parce que j'ai vu une femme, qui a perdu dans la même minute son mari et deux enfants. J'ai vu ça. Donc, l'antisémitisme, c'est un cancer très profond, enfin, ancré dans notre société, qui a des causes multiples, mais j'en ai assez, moi, qu'on dise que le remède à l'antisémitisme, c'est l'éducation. Non, je ne suis pas d'accord. Le remède à l'antisémitisme, c'est la sanction. Parce que s'il faut expliquer qu'on ne tape pas, qu'on ne tue pas parce qu'on est juif, il n'y a rien à expliquer. C'est trop tard. Excusez-moi, ça va trop loin. Le discours convenu sur il y a vraiment un sujet éducatif. Ah bon, qu'est-ce que un sujet éducatif? Ben oui, il faut leur expliquer qu'on ne doit pas détester le juif et qu'on ne doit pas le frapper. Ah bon. Alors, il faut un gros livre pour expliquer ça. Il y a plusieurs chapitres dans votre livre. C'est ça l'éducation? Non. C'est la sanction. Tu touches à quelqu'un, tu es sanctionné durement. Et c'est la sanction qui fait l'éducation. C'est pas l'éducation qui remplace la sanction. Voilà ce que je pense. Et j'ai toujours tout un problème qui n'existe pas qu'en France, la Pologne et bien d'autres pays. Mais maintenant, on n'a plus le choix. Il faut prendre ce sujet en main. Vous vous rendez compte que samedi, dans un journal, je ne citerai pas le nom, il y a un journaliste qui a trouvé le moyen de répertorier les écoles où il y avait le plus de juifs scolarisés. En France. Où on m'a expliqué qu'on n'avait pas le droit de répertorier l'origine des Français de la dernière génération, mais où un journaliste peut dire, dans cette école, il y a plus d'enfants juifs que dans l'autre. C'est inadmissible. C'est inadmissible. De même, j'ai apprécié ce qu'ont dit nos amis avant. Tous ces gens qu'on a vus pour MeToo, très bien, voilà, donc, il y avait quoi se mobiliser. Tous ces artistes qui en général font preuve de générosité d'autant plus grande qu'elle est publique. Oui, c'était. Est-ce que le degré de barbarie du 7 octobre n'était pas suffisant? Et c'est vrai que j'étais déçu de tant d'absents que je n'avais pas vu au moment de Charlie, ou même au moment du Bataclan. Je ne reproche pas que les gens soient mobilisés pour Charlie, pour le Bataclan, mais quelle est la spécificité là? C'était des juifs. C'est pas possible. Ce n'est pas acceptable. Et ça me met en colère. Dernier mot, vous êtes tous des petits-enfants, pour les plus âgés, des enfants, de survivants de la Shoah. C'est pas une plaisanterie quand les gens disent « je veux partir ». Si un juif veut partir pour des raisons de conviction religieuse, j'ai rien à dire. Je l'accepte. Mais si un juif veut partir parce qu'il a peur, ça veut dire que les nazis auront gagné rétrospectivement. Vos grands-parents ne se sont pas battus, n'ont pas fait ce qu'ils ont fait pour que les petits-enfants baissent la tête. Donc ça, c'est pas possible. C'est pas une alternative. Il n'y a pas de choix. Le sacrifice de vos aïeux vous oblige. On ne peut pas. Les terroristes islamiques ne peuvent pas gagner là où les nazis n'ont pas réussi. Vous êtes les héritiers de cette histoire. Chacun peut être dans sa famille. Et moi, je comprends qu'on ait peur parce que, figurez-vous, que si on n'a pas peur, c'est qu'on n'est pas courageux. On est juste inconscient. Le courage, c'est de surmonter sa peur. L'absence de peur,
très mauvais signe. D'ailleurs, permettez-moi avec amitié de dire, un juif pas inquiet, c'est pas un juif. Donc vous êtes, vous aussi, me semble-t-il, conduit par cette histoire pour honorer la mémoire de vos aïeux à rester. C'est, encore une fois, c'est indépendamment du choix personnel, vous voyez, et religieux qui consiste, l'ayad, c'est autre chose. Mais pas parce qu'on ne se sent pas en sécurité en France. Non. D'ailleurs, permettez-moi de vous dire qu'il n'y a pas que les juifs qui se sentent pas en sécurité en France. Si vous avez rencontré beaucoup de gens qui se sentent en sécurité en France, sans peur, pour femmes, pour eux-mêmes, pour leurs enfants. C'est un moment très important et peut-être, voyez-vous, au pire moment, il peut sortir le pire, mais il peut aussi sortir le meilleur. C'est ce qu'ont dit nos amis sur l'unité de la communauté et sur l'amour que vous suscitez chez les non-juifs et que j'ai senti dimanche dans le défilé. Je n'avais pas senti toujours avant. Monsieur le Président, on va vous poser les deux dernières questions. Merci pour ces propos. Et l'une que va vous poser Michel Torza, justement sur votre vision de ce qu'est ou non d'ailleurs un leader. Votre vision du leadership est présente tout au long de votre livre. Quels principes de leadership considérez-vous comme cruciaux dans la gestion de crise, aussi importante que celle que nous vivons actuellement? Et comment voyez-vous l'avenir des relations franco-israéliennes? Quelles initiatives pourraient être prises pour renforcer les liens dans les années à venir? Bon, il faut que je vous avoue une chose. Moi, je crois à la verticalité de la vie. Je n'ai jamais cru à son horizontalité. C'est assez simple à comprendre. Peut-être le mot que je déteste le plus dans la langue française, c'est le mot égalité. Parce que c'est un mensonge. J'aime ce qui est juste, donc je n'aime pas le nivellement. J'aime le mot différence. Il n'existe pas une famille, une association, un pays, une collectivité, une entreprise qui ne puisse fonctionner sans avoir à sa tête une personnalité qui entraîne tous les autres. C'est la vie. La vie, elle est faite ainsi. Le leadership, c'est ça. Et la politique, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas une question de programme ou d'idéologie. C'est d'abord une affaire d'incarnation, comme la peinture. Donnez-moi les pinceaux de Van Gogh, les tubes de peinture de Van Gogh, les toiles de Van Gogh, d'après vous. Je ferai du Van Gogh? Donner mes discours, non. Incarner, vibrer, entraîner, faire rêver, faire partager, être né pour un destin, c'est pas donné à tout le monde. On peut être parfaitement heureux, sans destin, sans être sur scène. Mais si on est sur scène, on doit brûler les planches. Permettez-moi de vous dire, il n'y a pas de droit à la parole. La parole se mérite. Il n'y a pas un centimètre de mon corps sans cicatrice. Tu veux ma place? Viens la prendre. Essaye. Il n'y a pas de droit au talent. Il y a un droit à l'éducation. Il n'y a pas de droit à la santé. Je m'occupe des enfants cancéreux. Je voyais l'autre jour avec des juifs. Un pauvre gosse de 8 ans qui vient me voir, qu'est-ce que tu as? J'ai une boule dans la tête. C'est un cancer. 100% de mortalité en un an. Avec ses mains. Elle est où l'égalité? Il y a un droit aux soins. Un droit à la santé. Un droit aux soins. Quand on est avec une énergie comme la mienne, c'est pas normal. J'ai aucun mérite.
Mais il n'y a pas d'égalité possible. Vos enfants, avec le même sang, la même éducation, sont tous différents. Et l'égalité, ce n'est pas de donner à chaque enfant le même temps, c'est de donner à chacun ce qui lui convient. Certains ont besoin d'être très encadrés, d'autres d'être très libérés. Et donc, la vie, c'est le travail, le mérite. Freud a dit quelque chose d'extraordinaire. L'homme est fait pour deux choses, et deux seulement. Travailler et aimer. Aimer et travailler. Il a poursuivi, si vous savez aimer, et si vous savez travailler, vous n'avez pas besoin de psychanalyse. Je n'ai pas besoin de psychanalyse. C'est naturel à l'homme. Et c'est incontournable. L'autre jour, un pauvre journaliste m'a dit, je ne sais pas qui a dit, journaliste à moitié formé. J'ai trouvé que c'était vraiment très aimable. Moi, je n'aurais pas dit à moitié. À moitié formé. Ah bon, allez, M. Bernard Arnault est très riche, mais il ne manquerait plus que je sois pauvre. Qui est capable de faire fabriquer en France des produits qui sont vendus aux Chinois? Et c'est toute la différence, d'ailleurs, entre ce pauvre François Hollande et moi. Il voulait moins de riches, moi je voulais moins de pauvres. Donc le leadership, c'est ça. On n'a pas tous la même vie. Mais ce qui compte, c'est que chacun d'entre vous puisse porter cette différence que vous sentez, dans le domaine qu'elle vaut. Et c'est ça qui fait que la vie est merveilleuse. Et il y a chez l'homme quelque chose d'absolument qui pourrait être dérisoire et même ridicule, et qui, au fond, sa noblesse. On vit le temps d'un timbre poste et on construit des cathédrales qui vont vivre des siècles. On vit 3 secondes et le matin, on se lève pour construire et pour bâtir. Ça pourrait être pathétique et pourtant, c'est ce qui fait la dignité et la spécificité de l'être humain. Et c'est toute l'histoire du peuple juif qui revient sur sa terre et qui, avec toutes les oppositions du monde, construit sa nation, défend sa langue et défend sa terre. Et au fond, la spécificité juive, elle est là, elle est un résumé de la spécificité de l'être humain dans tout le vivant. Voilà ce qui compte. Voilà pourquoi c'est le plus important. Et voilà pourquoi je pense qu'aux pires épreuves, la vie est belle. On ne doit pas subir. Qu'on doit y aller. Et qu'au fond, Dostoïevski avait raison, tout est une affaire de renaissance. Vous savez, dans Crimes et Châtiments, Rachelnikov, ainsi, la dernière phrase, commença. La renaissance, cher Roger, lente mais certaine de Rachelnikov, renaître. Israël doit renaître, chacun d'entre vous doit renaître, renaître après un divorce, renaître après une maladie, renaître après un échec, renaître jusqu'à la dernière goutte de vie qui vous restera. Et c'est en cela que l'histoire d'Israël nous inspire, parce que les histoires de vie... Et ça, c'est un message d'espoir. Dernière question, Michel. Monsieur le Président, avant de poser la question, je vous remercie sur votre vision du leadership. Je ne me suis jamais intéressé à la politique, mais depuis que je vous ai vu la première fois vous investir en politique, vous nous avez donné envie de nous battre, donné envie de pouvoir changer un peu l'histoire du monde. Et vous, et grâce à vous, j'ai décidé de m'investir pour la plus belle des organisations, parce que vous êtes un modèle, vous êtes quelqu'un d'exceptionnel, et je crois que vous, plus profond de nous tous, on a tellement envie de vous ressembler. Et moi, je dis merci pour tout ce que vous faites pour toute la communauté juive. Merci. C'est très gentil. C'est très gentil, c'est exagéré. Je vivais avec ma mère et mes deux frères. On était tellement peu connus que même dans notre immeuble, personne ne nous connaissait. Être moins connu que nous, et j'aimais ma mère, elle m'en a fait.
Être moins connu que nous, c'était impossible. Impossible. Et moi, je me disais, mais comment je vais me sortir de ce guépi? Je voyais un océan d'ennui, de banalité. Il faut que je me sorte de ça. Et vous voyez, c'est le côté merveilleux de la France. Je m'appelle Sarkozy. Le premier meeting auquel j'ai participé, je vous jure, à Boulogne-Billancourt, en 1974, ils ne m'ont pas laissé rentrer. Et déjà à l'époque, j'avais un tempérament. Et je dis, je te jure qu'un jour, je serai là-haut. Et celui qui ne m'a pas laissé rentrer, il m'a rendu un service énorme. Et non. Parce qu'il ne sait pas le désir de revanche que ce jour-là, il a provoqué. Et c'est ça que je veux dire. C'est que même dans un pays, je n'y ressemble à aucun des critères des élites françaises. Je n'ai pas fait leur école. Je n'ai pas leur façon de parler. Je n'aime pas leur code. Je n'ai même jamais été coach quand j'étais jeune. Même là, ça ne me plaisait pas. Et j'y suis arrivé, avec un nom, à coucher dehors. Franchement, mettre une pièce sur Sarkozy en 1974, la cote était énorme. Et moi, je vous dis une chose, si je l'ai fait, chacun d'entre vous peut le faire. Et c'est ça, et c'est pour ça que j'aime la différence, et c'est pour ça que je déteste l'égalité. Merci de m'avoir dit. Pour vous, Monsieur le Président, 2007. Mais je suis très heureuse d'être là ce soir pour chanter avec vous la Tikva, mais aussi pour vous dire qu'en tant qu'Israélienne, je suis arrivée hier et on repart à Londres encore pour le MDA et après je rentre chez moi. Ça fait vraiment chaud au cœur de voir combien on est unis, même si on est loin, même à l'autre bout de la terre, on est un. Et comme moi, je suis un avec ce petit bébé à l'intérieur de moi. Un, ensemble, liés. Et c'est pour ça qu'on m'a dit pendant tout ce mois-ci, tu n'as pas le droit de te déprimer, tu n'as pas le droit de regarder les images, tu n'as pas le droit parce que tu as une responsabilité. Mais en fait, on a tous une responsabilité. Parce que quand moi je déprime, ça enlève de la force à un khayal, un soldat. Et c'est ça le lien extraordinaire que l'on a. Donc merci beaucoup pour votre don, pour votre générosité, pour votre soutien, parce qu'on est, on est tous ensemble dans ce bateau. Et voilà. Alors, la Marseillaise, c'est la première fois que je comprends vraiment ces paroles et que je vais les dire de tout mon cœur. Allons enfants de la Yeah.
Merci beaucoup, monsieur. Monsieur le Président, on a une autre surprise pour vous et un chant qui nous tient au cœur, c'est Latifa et un grand ami du magazine David Atom qui va nous rejoindre sur scène, je crois, Enrico Macias. Cher Enrico, bonsoir. Am Israel, Am Israel, Am.